Bien bonjour mes amis, aujourd'hui je vous propose un petit tour de carte qui s'intitule « Suivez le chef ». C'est parti. Alors, il se fait simplement avec des cartes noires identiques et des cartes rouges. Nous allons commencer par mélanger un peu les cartes. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire deux tas. Comme ceci. Mais malgré les mélanges, en claquant dans les doigts, vous allez pouvoir constater que toutes les cartes se rejoignent. Ici, le 2 de carreau. Le deuxième, encore un 2 de carreau. La troisième et la quatrième, encore un 2 de carreau. Je mets cette carte face en l'air pour désigner la carte chef. Donc, si vous avez bien suivi, j'ai ici les noirs, bien évidemment. Donc, une noire, deux noirs, trois noirs et quatre noirs. Très bien. Malgré tout ça, si je change les chefs de leur camp respectif, comme ceci. Donc, nous avons la noire à gauche et la carte chef à droite, rouge. En claquant dans les doigts, dans les deux camps. Et bien quoi? Mais si je regarde maintenant, nous avons quoi? Ici, une carte noire qui vient d'arriver. Fabuleux. Une deuxième et une troisième. Et pareil, bien évidemment, sur le second paquet. Alors, pour réaliser ceci, il faut savoir que les cartes entre elles sont familières. Les rouges ne se mélangent pas avec les noirs. Et d'ailleurs, au lieu d'inverser les chefs, je peux inverser simplement les cartes qui sont face en bas, comme ceci. En claquant dans les doigts, toujours. Regardez, nous avons une carte noire qui vient d'arriver encore. Une carte rouge qui vient d'arriver. Et on peut continuer. Je réinverse doucement et lentement que vous puissiez bien voir. Il suffit de claquer dans les doigts et de retourner. Les noirs sont avec les noirs et les rouges avec les rouges. Voilà, c'était Suivez le chef. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis.